Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un petit repas rapide qu'on peut faire le soir quand on est un petit peu fatigué. Donc je pense que ce sera la petite vidéo d'aujourd'hui. Je ne vais pas faire une très longue vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc je vais vous partager tout ça ce soir. À tout de suite. Alors, ce sont des surgelés. Donc j'ai des courgettes. Et j'ai des burgers. Là, j'ai 7 burgers. J'ai laissé déjà un petit peu décongeler. Mais c'est encore un petit peu froid et dur. Donc, je vais les décongeler rapidement dans le micro-ondes. Mais après, si vous n'aimez pas ou si vous n'avez pas de micro-ondes, ben, sortez un petit peu plus tôt. Mais moi, vu que je suis quelqu'un qui cuisine, on va dire, à la dernière minute à chaque fois, voilà quoi, le micro-ondes me sert très bien. Voilà, donc je vais décongeler tout ça et je vous montre aussi les condiments que je vais utiliser. Donc j'ai des ciboulettes, des oignons et des tomates. Comme je vous dis, c'est un repas très très simple et très rapide. Comme accompagnement, j'ai choisi le riz parce que c'est le truc le plus simple à faire cuire. Et après, j'ai du sel, du poivre et de l'huile. Et c'est tout. Et bien sûr, les tomates et les oignons. Ça y est, ça c'est décongelé. Je vais juste faire ça avec une fourchette pour que ça ne soit pas en cube, mais que ce soit bien bien éparpillé quand je les cuirai. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai préparé les tomates, oignons et tout ça. Et il est temps maintenant de faire cuire tout ça. Je rajoute maintenant du poivre et du sel. Je rajoute maintenant la viande hachée. Comme vous voyez, c'est bien décongelé. Bizarre la couleur de cette viande. J'ai l'habitude de ceux qui sont vraiment très rouges, mais bon. C'est pas grave,
C'est pas gâté du tout. Hein. C'est juste que c'est différent. Et je rajoute avec les oignons et les tomates. Et je laisse cuire petit à petit. Je vais rajouter enfin les courgettes. Comme vous voyez, c'est presque cuit. Les courgettes sont aussi des surgelées. Je les ai sorties un petit peu plus tôt. Donc, il n'y avait pas besoin de les mettre dans le micro-ondes. Donc, je vous montre un petit peu comment ils sont. On va dire que c'est pas encore tout à fait décongelé. Mais voilà quoi. Mais c'est pas trop grave. Donc là, je vais les rajouter aux viandes. Et après, je vais fermer le couvercle. Donc voilà, là il y a un petit peu de jus, donc j'ai fait au maximum, c'est-à-dire 240. Ce qui est génial en plus dans cette recette, c'est que vous n'avez pas trop de vaisselle à faire, juste l'assiette où vous avez mis la viande pour décongeler. L'autre assiette pour mettre tout ce qui est oignon et tout ça, et la cuillère en bois pour touiller, et bien sûr la marmite hein, pour faire cuire le petit repas. Voilà. Et voilà le résultat, j'ai mis le riz dans un petit récipient pour que ça fasse une jolie petite forme. Et les courgettes, les mis comme ça, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt.